petit chien trop mignon. Et voilà, j'aime beaucoup ça, ça vient de chez Urban Outfitters et je l'aime beaucoup. Et ensuite en dessous ici, il y a tous mes trucs de caméra, donc tous mes recharges, mes caméras, mes batteries, mes micros, tout ça. Ici de ce côté, j'ai mes livres préférés, que ce soit anglais ou français, et des livres de youtubeuses que j'ai reçus. Mes poids de sport qui ne sont pas censés être là, mais bon, je les ai mis là. Un porte, enfin un dessous de verre, il y en a deux, et avec un petit truc que Rose Carpet m'a donné où on peut l'allumer, ça s'allume mais je l'allume jamais. Ensuite ici c'est un peu le bordel aussi, alors ici là c'est tous les trucs papeterie. Ensuite en dessous il y a ma boîte à souvenirs, donc les trucs importants, puis après là il y a des trucs vides, c'est un peu le bordel, mais voilà. De ce côté il y a tous mes parfums et mes lotions, que ce soit échantillon ou parfum ou brume. Et en dessous ici il y a toutes mes pochettes. Et après il y a les thés détox que je reçois, les machins et tout. Mais en général c'est toutes mes pochettes que je prends avec moi en voyage. Donc voilà. Et au dessus ici donc il y a un mascara, c'est pas censé être là. Il y a ma Polaroid, un carnet. Là j'essaie de faire en fait, de mettre du sable dans tous les pays où je vais. Donc Vietnam, Brésil. Ça c'est un truc qui vient de chez Maison du Monde. Ça c'est une abonnée qui me l'a donné, Zainab, si tu passes par là. C'est des lettres à ouvrir bah, quand je suis contente, quand je suis malade, quand je suis pas contente et tout. Du coup c'est trop chou. Ensuite il y a encore des sous de verre. Là il y a un petit tableau, voilà, que j'avais dans mon ancienne chambre. Ici il y a mes lunettes de soleil, les plus ridicules aux jolies. Celle-là c'est une abonnée qui me les a offertes et je les porte tout le temps. Ça c'est un petit carnet. Mon cadre pour les 100 000 abonnés, mon Melty Awards que j'ai eu l'année dernière. Là c'est des lunettes, mes lunettes, et j'en ai perdu une paire. Ensuite ici, là c'est là où j'ai toutes mes photos que je fais aux soirées avec mes abonnés. Ça c'est à la soirée Labello, il y a la soirée Maybelline, il y a la soirée Rose Carpet, il y a la soirée Ocean. Bref, voilà, je les garde ici mais je vais les accrocher sur mon mur bientôt. Là il y a toutes mes coques et mes Polaroids ici avec tous mes potes. Ça c'est une coque qui n'arrivait pas à rentrer visiblement. Et ça c'est mon frère qui me l'a donné à la base, c'est une bouteille avec de l'alcool dedans, mais il me l'a donné juste pour décorer pour le moment. Ensuite de ce côté on a un petit bol avec écrit la princesse dessus, c'est deux de mes meilleurs potes qui me l'ont donné l'année dernière pour mon anniversaire. Et je leur fais de gros bisous si elles passent par là. Et après là dedans ça c'est toutes mes petites étiquettes quand je vais chez Google, YouTube, VideoCity, tous les événements en fait où je vais, bah je reçois des petits trucs. Et là aussi ça c'était quoi par exemple? Ça c'était la soirée Maybelline et tout, du coup je les garde, c'est les petits badges. Et ensuite en dessous il y a ma grosse clé USB là, pour mon ordi que j'utilise évidemment jamais. Et là il y a mes calendriers de l'avant. Donc pour l'instant j'ai le Body Shop, je sais qu'il y a le NYX qui va arriver aussi bientôt. Et aussi je vais m'en prendre un petit chocolat. Mais voilà en gros la vue d'ensemble. Ensuite ici, on passe à ici, bah, c'est mon miroir, donc c'est un miroir qui vient de chez Ikea. Et j'ai mis tout autour des lumières qui viennent de chez Emma. Donc voilà mon miroir que j'aime beaucoup. À la base je voulais le prendre en blanc mais je l'ai déjà ici en blanc, du coup je l'ai pris en noir. Du coup voilà, et avec les petites guirlandes et avec mon petit tapis. Vous le connaissez tous, il vient de chez Ikea. Putain mes pantoufles, oh non. Il vient de chez Ikea et mon chien adore dormir dessus. Donc dites-moi si vous avez des animaux de compagnie, si vous aussi dorment sur vos tapis. Voilà voilà. Alors ici de ce côté c'est ma partie préférée. J'adore cet endroit. Du coup ici c'est encore une fois un tableau que mon papa avait acheté à la même vente que celui-ci. Je l'aime beaucoup, il est très sobre. Ensuite là c'est une petite lune, vous savez que j'adore les lunes et tout, donc je l'ai acheté chez Urban Outfitters. Et cette penderie, je sais pas comment on peut appeler ça, je l'ai acheté aussi chez Urban Outfitters, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire. Je sais pas si elle est encore en vente sur leur site, mais elle a coûté extrêmement cher pour rien. Clairement vous pouvez prendre les mêmes meubles chez Ikea, vous pouvez même la construire vous-même pour rien du tout. C'est une arnaque monumentale, mais je dois dire qu'elle est quand même très très belle, elle est rose gold noire et donc... Il y a la barre, la tringle comme vous voulez. Et il y a trois planches. Donc moi j'ai mis mes chaussures dessus. Je sais que ma soeur a la même et elle a mis des fringues dessus. Mais voilà, dites moi si vous voulez que je vous fasse un All My Shoes, parce que j'en ai vraiment beaucoup et je sais que vous me posez pas mal de questions souvent. Donc voilà, et ensuite là j'ai tous mes manteaux. Je commence à devenir folle des manteaux longs. J'en porte tout le temps, bah, je pense que ça se voit. Ça c'est plus une veste longue mais bon bref. Et après toutes mes vestes, toutes mes machins et tout. Et là j'ai mes 2-3 sacs. Et voilà.
Et avec là mon petit sac à dos que j'ai acheté chez Urban Outfitters, que j'aime beaucoup. Ça ressemble à un Fendi. Et là j'ai mes casquettes et tout. Donc voilà. Ensuite ici j'ai mes rideaux qui viennent de chez Ikea. Alors ici en bas, donc là j'ai mon sac, mon ancien ordi qui ne marche absolument plus, il faut que je le donne à réparer, mon sac de cours. Et en fait comme je savais que j'allais pas avoir la place pour mettre mes cours, j'ai pris ces deux petits meubles de chez Ikea. Et en fait donc j'utilise comme, comme pour s'asseoir quoi, mais pour mettre mes sacs dessus, et en dessous je mets tous mes cours, donc c'est très pratique et je les aime beaucoup. Et il y a ma petite poubelle blanche de chez Ikea. Ensuite, oh, je suis essoufflée, je parle hyper vite. Ensuite de ce côté, j'aime beaucoup aussi ce petit côté là.